voyage. Ça va, ça a dormi un peu. Magnifique. C'était trop bien. Bien, j'avais trop envie de sauter de l'avion. Ça m'a rappelé mon armée. Il fait trop beau. On nous met de bonne humeur. On a enfin le Gamos. Voilà, voilà. Enfin, parce qu'on a eu des petites complications. Du coup, là, direction Montegordo. Voilà, pour aller voir le terrain. On est arrivé à la playa. Voilà, voilà. Il est trop chaud, c'est bon pour vous ou pas? Et des gens là-bas ils font le tour du terrain, torse nu et en shorts. Comment vous dire, je vais me faire le plaisir de mettre en shorts. Et ouais mon gars, parce qu'on va bronzer. Imagine on bronze. Ah, vous vous rendez compte qu'on est au mois de novembre et qu'il fait super chaud. On remonte la moto parce qu'on a dû enlever la roue avant pour la passer dans le camion à mon oncle. Du coup, là on va au contrôle technique. Trop chaud. Regardez carrément ma fenêtre, elle est ouverte tellement il fait une chaleur. Prends la voiture parce que bah, en fait, c'est à 2 km de là où on était. Donc comment vous dire que je ne vais pas pousser la moto jusqu'à là. Fais le bordel. Oh là là, on n'est pas doué avec eux deux, moi je vous le dis, on n'est pas doué. C'est une dinguerie. Vraiment, à la base je suis grave forte, enfin en plus je parle portugais quoi. J'ai vu toi, tu l'as mis. Et là je comprends plus rien, en fait ils me perdent tout ça, ça me perd en fait du fait que genre ils parlent trop vite et c'est pas les mots que j'emploie d'habitude en fait, du coup c'est super perturbant. Croyez si ça genre, c'est 100 euros de caution genre, c'est-à-dire si on les perd, c'est 100 balles. Mister Leroy, service. Dans sa vanne. On est mort, ça. C'est pas possible. On est enfin passé au contrôle technique, enfin en mode administratif. Voilà, on a la feuille. Ils ont rajouté 20 millions d'autocollants. Mais quand je vous dis 20 millions, c'est genre 20 millions d'autocollants. C'est une dinguerie. Du coup, là, ils me passent le transpondeur. On passe la moto au chronomètre et on a enfin fini. Genre. Il va être 17h, on a enfin fini genre. C'est super long. Comment on fait pour ouvrir la porte? T'as essayé quelqu'un? Il a laissé. Regarde. Là j'ai mon traducteur. Il a laissé les deux clés dans l'appartement et du coup on ne peut plus ouvrir la porte. C'est un cri. On est en train de mettre les paddocks. C'est bon. On retrouve Paolo. Raconte-nous ta petite vie. Je fais de l'anonyme maintenant. Anonyme. Parle en anglais. Yeah, I'm not too much on the social media. Yeah. I'm very private. Okay. And secret. Wow. Surprise, motherfucker, King is back. J'ai un truc à vous raconter de fou malade. Et mon père, il est pas très fort en anglais. Genre, voire nul en fait, nul. Et en fait, tout à l'heure, il y a une portugaise qui a parlé anglais. Et en gros, mon père, il a voulu faire trop le mec anglais. Et en fait, pour dire au revoir à la meuf, au lieu de dire goodbye, il a dit fuck you. Papa, est-ce qu'elle a entendu? Bah, je crois, elle a entendu le fuck you. Enfin,
fait un mini tour juste pour en fait voir la texture un peu du sable. Parce que, bah, le sable il est toujours différent. Du coup bah là je vais juste marcher un peu pour voir un peu la texture du sable. Parce que je me rends compte que le sable il est hyper mou, genre vraiment on dirait Osgore. Vraiment on dirait grave Osgore. Par contre du coup là il est 19h48 et enfin rentrée on va dire. Et on va pouvoir enfin se poser. Voilà. Un petit, voilà, on voit pas très bien. Mais il y a une petite fontaine. C'est trop mini. C'est un peu cosy. Là il y a un petit pont. C'est beaucoup trop stylé. Mon sac il est bas de lourd. J'ai mal au dos là. T'es là mon ref, tiens, aide-moi. Et s'il te plaît, tiens. S'il te plaît. Dorian. C'est où le truc? C'est la porte ouverte? Non. Ah. Je vais me retrouver chez quelqu'un, je crois. Bon, attendez. Attendez. Et du coup mon départ il est à 11h. Comment c'est trop beau. Par contre ce qui est bien au Portugal c'est que en fait les dossards ils sont pas comme en France. Et en France c'est des trucs c'est des gilets là. Et en fait ça c'est un espèce de truc que t'accroches. Trop intelligent, vraiment. C'est trop bien. Du coup là on va au paddock pour tout faire en fait. Et après, voilà. Hein. Par contre, ce qui est bien au Portugal, c'est que en fait, les dossards, ils sont pas comme en France. Et en France, c'est des trucs, c'est des gilets là. Et en fait, ça, c'est un espèce de truc que t'accroches avec des agrafes. Et c'est vraiment trop intelligent, vraiment. Me and my money attached emotionally. I get the clutch, and if you get too close to me, I'm at the top where I'm supposed to be. Jumping in the gang, niggas act like they coaching me. 400 rats ain't shit, but they show to me. I'm on the road and I'm in Hit from the back, she giving me slurp, and I ain't even pull my pants down. Jump in the box and slide to the other side. It's always a man glass in the sock. Back in the day, I invest in the block. Fast forward now, I'm investing in stocks. I put a drum on a heckling cotch. Don't play, cause I'm very invested in shots. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrappy. Du coup, là, on se retrouve après ma course, après m'être lavé. Du coup, en soi, c'était grave une bonne course. Juste au début, j'ai grave du mal à me mettre dedans par rapport à Loon. Par rapport à Loon, bah, j'étais un peu bloquée, enfin j'avais un peu peur genre de faire la même chose et tout, donc je me suis un peu bloquée toute seule. Alors, je fais plein d'erreurs au début, et à la fin ça a été mieux, j'étais plus fluide, je me faisais plaisir, voilà. Du coup je sais pas trop combien j'ai terminé, du coup je vais pas vous dire de bêtises pour l'instant, mais je vous dirai plus tard. Je vais mettre la moto au plus parc, du coup j'étais à 15h, on peut toucher à nos motos, s'il y a des problèmes, s'il faut changer des trucs. Zéro style, c'est trop bien. Refais, refais. Je suis rentré. Allez, que vélo après ce bon repas. Petit déjeuner et après bah voilà, on va commencer à le préparer, de m'habiller. J'allais à 11h. Il fait encore un grand soleil. T'as fini de manger. T'as mal aux jambes? Me and my money attached emotionally. I get the clutch, and if you get too close to me, I'm at the top where I'm supposed to be. Jumping in the gang, niggas act like they coaching me. 400 rats ain't shit, but it's show to me. I'm on the road, and I bet that you're hoeing me. When I'm in traffic, it's always a pole with me. Pillsbury, man, I keep doing me.
Hit from the back, she giving me slurp, and I ain't even pull my pants down. Jump in the box and slide to the other side. It's all as I'm back in the die, I invest in the block. Fast forward, now I'm investing in stocks. I put a drum on the heckling cops. Don't play, cause I'm very invested in shots. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my. Barker beats be killing it. L'aéroport de Lisbonne, c'est grave pas un aéroport en fait, c'est carrément un centre commercial, genre. C'est un centre commercial. Du coup, on fait une escale, 50 jours, c'est un truc comme ça. Sauf que c'est pas une escale de genre 2 heures, c'est genre une escale de genre 6 heures. Genre là, le prochain avion, il est à 13h30 ou 15, je sais plus. On est dans 6 heures, donc on est dans 6 heures.